Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equilia met le feu au quintet. Avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du Prix de Pigalle, à Enghien, 16 compétiteurs de 7 à 11 ans vont se défier sur la distance de 2875 mètres. Feu rouge de freine avec le 4 Filou Tchardé, auteur d'une belle fin de course dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. Je le trouve nettement moins à l'aise, corde à gauche, je fais l'impasse. Feu orange, je ralentis avec le 15 Hold Up du Dijon, c'est le vrai cheval de piste plate. Dans l'étape du GNT au Bouscat, il a très bien tenu sa partie dans un lot nettement supérieur, devançant notamment Up7, qui depuis s'est baladé à Cabourg. Sa dernière tentative à Enghien est meilleure que ne l'indique son classement. Il se retrouvait trop loin dans une course cadenassée et sa fin de course n'est pas passée inaperçue en effectuant le meilleur dernier kilomètre et les derniers 500 les plus rapides. Si l'épreuve se dispute à un train d'enfer, il est capable de faire sauter la banque. Feu vert, j'accélère avec le 7 Hamilton du Ham. Autant il m'avait laissé sur ma faim lors de son avant-dernière sortie, autant il a conclu dans une très belle action le 10 juillet dernier, plus performant en étant préservé dans un parcours, son changement de vitesse peut mettre tout le monde d'accord. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus. Champ réduit avec le 7, le 8, le 15, le 14 et un X associé à l'As, au 3, au 9, au 10, au 11 et au 13 pour la somme de 12 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.